Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nouvel essai de ce nouvel hôpital de ce etc. Hein. Donc ce coup-ci on va essayer de pas crever lamentablement. Hein. Ça va pas être gagné, mais on devrait y arriver. Donc en même temps je sais pas si vous aurez sûrement un petit bruit de fond assez abominable derrière puisque je tourne avec la fenêtre ouverte. Je n'ai jamais essayé et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est pas bien grave. On va voir ensemble ce que ça va donner. Si c'est trop horrible, eh bien... Je verrai si je mets cet épisode. Sinon, ce sera perdu dans les méandres des épisodes que je ne publierai pas. Si on entend des vieux... de camions derrière à chaque fois ou pas. Ça, on verra. Pour le moment, je ne sais pas du tout... ce qu'il va en sortir. Parce qu'en même temps, je raconte n'importe quoi. Enfin, c'est... Vous pouvez admirer mon racontage de n'importe quoi en même temps que construire mes trucs. Ah oui, un cardio-machine. C'est bien un cardio-machine. Qui n'aime pas courir sur un cardio-machine? Allez, hop. Un cardio-machine ici. Un paravent ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une psychiatrie là. Si ça badabapam. Ah, BCD. Bon. Et bien sûr, là je vais pas pouvoir. À 3, je ne vais pas pouvoir rentrer de pharmacie. Chose que je suis certain qu'il était possible de faire. Est-ce que j'ai bien placé ce fauteuil? Est-ce qu'il reste? Oui, il reste un devant. Chose que je suis sûr que la pharmacie, on pouvait la faire avec 3. Qu'on peut la faire. Mon hôpital est moche, je sais. Je continue de finir la phrase que j'ai commencée et que je ne finis pas parce que je ne la finis pas. Hein, voilà. Allez vous faire voir tous. Non, je vous aime bien. J'éditerai ça à côté. Enfin, de toute manière, quand je dis que j'édite quelque chose, je ne l'éditerai jamais. Mais là, juste pour vous embêter, je vais l'éditer parce que... Parce que c'est juste pour vous embêter. Allez hop, une petite salle des fractures. Là, ici, j'ai dit, voilà. Une salle d'opération. Et bien sûr, je ne dis, bah oui, mais je peux la mettre ici, mais c'est pas intéressant parce qu'il faut que j'achète. On va acheter ça. Dans lequel on va mettre. Le département de recherche, qu'on va faire grand comme ça, je ne ferai que l'améliorer au fur et à mesure des trucs. Donc une auto-autopsie, un bureau et un petit classeur là. Parfaitement parfait. Donc on va commencer à engager du personnel. Alors un psychiatre, ça c'est très bien, ça va aller ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un chercheur? Vas-y, Roméo. Donc, un médecin normal. Ici. Et un médecin supplémentaire là. Ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, une infirmière. Bonjour, jolie compétente. Une deuxième ici. Un agent d'entretien. Une réceptionniste. Bonjour, on va l'appeler Mireille. Quelques bancs. 15 feront l'affaire. 5 distributeurs. Une quinzaine de radiateurs vont faire l'affaire. Donc le bureau de Mireille. Oui, c'est Mireille que je l'avais appelé tout à l'heure. Oh, je ne sais plus. Disons que ce n'est pas très important. Enfin, il faut que j'arrête de dire que c'est pas très important, sinon je vais appeler machin tout à l'heure. Et ça, ça serait... Ah mais je raconte ce que je veux, toi. T'as pas le droit. D'accord, j'ai acheté 1200 extincteurs. C'est vachement mieux si je pose des radiateurs plutôt que des extincteurs. Donc, quelques radiatores. Là, on va en mettre... Un ici, un là, j'ai dit, un ici, puis un ici, un là,
Un là. Un là. Un ici. Un Mireille. Un ici. Un là. Un là. Et voilà. Perfecto. Donc on va mettre une petite salle de repos. Salle de repos. Pour le personnel ici. Allez, dégage toi. Vous allez voir que ça va jamais rentrer. Et un radiateur. Hop. Je chante bien la musique du thème de Theme Hospitals. Des toilettes. Et donc, pas de salle de chirurgie encore, puisqu'il faudrait que j'embauche deux chirs, et bien il faudrait que j'embauche deux chirs, et bien entendu, ça va être impossiblement impossible. Donc on va ouvrir le hospital maintenant, on va regarder est-ce que je peux pas engager un chercheur de plus. Hop. Donc on va en profiter pour refaire ce département de recherche, pour déjà rajouter un bureau et un placeur. Oui, parce que les P dans les phrases, c'est tellement mieux. Donc, vas-y Walter, vas-y Jérôme. Oui, ils ont pas deux noms qui sont cohérents les uns avec les autres, hein, ça c'est normal, enfin, en même temps il fallait s'y attendre. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais non, mais je m'en fous que vous amélioreriez, on n'améliore pas. Déjà là, tu vois, on n'améliore pas. On n'améliore pas. On spécialise pas. On recherche du matériel de soins à mort. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, un chien, un chien. Un chien, on veut. On prend. Vous êtes engagé, jeune homme. Alors, donc on veut une salle des malades ici. J'espère que je laisse assez de place. L'un de mes médecins est devenu consultant. Alors là, Houston. Il s'auto-forme, mes médecins, maintenant ? C'est Open Sucette, c'est ça? Et donc, est-ce que je peux pas engager un nouveau chir? Non. Par contre, je peux engager un nouveau cerceur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore augmenter la taille du département de recherche. Ouais, aujourd'hui, je roule les R. Bureau classeur. Et je pense que 3 researchers, ça devrait suffire. Bien sûr, il faut que je les replante dedans. Va rechercher, jeune homme. Donc toi, tu chirurgites, donc tu ne recherches pas. Va rechercher. Va rechercher. Mais non, voilà. Cette vitesse-là. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc, une salle d'opération ici. Alors, normalement, elle devrait bugger un moment ou un autre, hein, puisque toutes mes salles d'opération bug un moment ou un autre. J'ai beau faire ce que je veux avec, toutes mes salles d'opération bug au bout d'un moment. Alors, vous voyez que je renvoie les patients. On sait jamais, hein, c'est un peu... Disons qu'on ne va pas prendre... hop, voilà. Qu'on ne va pas prendre trop de chance cette fois-ci. Fracture, j'ai Thaïlande, j'ai pas. C'est ça, c'est Thaïlande que j'ai pas. Oui, ça c'est du gonflage. Venez vous faire tailler la langue. Pas cher, pas cher. Pas cher. Alors, est-ce qu'il y aurait des nouveaux chires? Ah là 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 là. Je n'ai plus un rond. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un emprunt. Faisons comme toutes les sociétés occidentales d'aujourd'hui, vivons à crédit.
Qu'est-ce que je voulais acheter? Des bancs et des radiateurs. 3 radiateurs, un distributeur et 2 bancs. Un banc, 2 bancs, un distributeur, un radiateur, 2 radiateurs, 3 radiateurs. Voilà, vous avez peut-être entendu un camion klaxonner. Parce qu'il a dû se rendre compte que j'étais en train d'enregistrer et que c'était tellement plus classe de klaxonner pendant que j'enregistrais. Alors, renvoyons le patient. Alors, vous avez l'équipement et les compétences de fourrière. Oui, je vais m'occuper de cet urgent. Alors, donc le moumouteur vient d'être inventé. C'est génial. La clinique de moumoute. Est-ce que vous aussi, vous voulez une moumoute chez vous? Pas cher. 3 pour le prix d'une. Ah. Ça serait mieux si je pouvais actuellement mettre la machine. 2 bancs, 1 radiateur. Un extincteur, hein. Ça les chauffera. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que je veux mettre un radiateur, je mets un extincteur. La fatigue, un truc comme ça, tout ça, tout ça. Toujours pas de chire. Voilà, donc... la recherche. Continuer à rechercher. Je crois qu'il va falloir que je fasse une médecine générale de plus assez prochainement. Vous avez plein d'argent, mais bien sûr, là, j'ai plein d'argent et puis quoi encore. Ouais, tu vas voir que dans 3 secondes, j'ai plus un rond. J'ai une salle de diagnostic, j'ai une cardiomachine. Ok, donc j'ai tout ce qu'il faut là. Chevillon du lait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux médecins? Je voudrais un chirurgien. Je demande pas grand chose. Je voudrais juste un chirurgien. Renvoyez le patient. J'espère que ça ne compte pas dans mon objectif de patient raté. Hein? Ah bah, déjà en grève lui, tiens. Je gagne vraiment pas beaucoup d'argent. On va mettre 60% de soins et 40% de diagnostic. J'ai soigné 4 personnes sur 4. On prend une chance. Alors, oui, bah déjà si j'accélère un petit peu. Il y a une chance sur 3 que ça ait complètement buggé parce que je suis en train de faire complètement autre chose en même temps. On verra. Les pierres de golf, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Regardez si on n'avait pas des chirurgiens, mais ça n'a pas l'air, non. Il y a un autre truc que je voulais faire qui m'avait semblé super important. Et que j'ai complètement zappé. Ça ne devait pas être très important. Ça devait pas être très important. Ah bah si, je voulais mettre... Ah bah tiens, on va mettre des bancs ici. Un distributeur et quelques bancs. Super, j'ai acheté 7000 distributeurs et un seul banc. Et là, on a un problème parce que 2 chirurgiens sont demandés en salle d'opération. Et 2 chirurgiens, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai que 1 chirurgien. Bon, j'ai tué mon premier patient, super. Alors, ah, un chirurgien chercheur, mais il est pourri. Un chirurgien psy qui est bien. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Un rayon X. Bien sûr, je vais pas avoir. Ouais. J'avais vu le tarif du rayon X. On va attendre un petit peu avant de le construire, le rayon X. Hein. Rectoïde, ça c'est bon, on connaît. Bon, en même temps, de toute manière, on connaît toutes les maladies pour le moment. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Il faudrait que j'embauche
Quelques agents d'entretien en plus. Oui, visite mon hôpital. Du. Alors... Donc maintenant que j'ai regardé en fait que les priorités n'étaient pas implémentées, je vais quand même le prioriser pour faire ça, même si je sais que ça ne sert strictement à rien. Je voulais construire... Voilà, mon rayon X. Ici. Ici. Alors, renvoyer le patient. Renvoyer le patient. La pylose, on connaît. La gélatine, on connaît. Donc ça ici. Alors ça c'est génial parce que j'arrive jamais à construire cette salle. Une personnalité visite l'hôpital. Un médecin voilà. Ah bah on n'a pas le temps de lire, les mains moites, la télésincarnation. Je crois qu'il faudrait que j'engage un nouveau médecin. Tiens, lui il est multicarte. Alors on va acheter... des bancs, un radiateur ce coup-ci, pas un distributeur, enfin pas autre chose, hein. Renvoyer le patient. Et un radiateur ici. Nous prions nos patients de nous excuser. Voilà. Ça c'est bon, donc ils ont inventé un autre truc en attendant, non? C'était ça? Non. Non. La salle d'électrolyse. Il va falloir attendre un petit peu. Parce que là pour le moment... c'est juste pas possible à acheter. Bon. S'il vous plaît. Gagnez de l'argent, les médecins. Hein? Du pognon, là, du truc sympathique sur le compte bancaire. Renvoyez le patient. Je sais que mon compte bancaire est au plus mal. Bon, on a quoi comme fil au niveau de la médecine générale? Complètement engorgé. Donc on va faire une seconde médecine générale ici. Pour tenter de désengorger la première médecine générale. On va mettre un banc si j'arrive à me l'acheter. Alors. Ah, vous allez voir qu'ils vont avoir réussi à me faire bugger cette médecine générale là. Ça je le sens bien quoi. Ah non, c'est bon. Donc ils m'ont inventé un truc bien. Ils m'ont inventé le scanner. C'est super, mais je ne peux pas le construire. Je voudrais déjà construire l'électrolyse qui me coûte 7000 et un scanner ça me coûte 12000 et j'ai encore perdu. Bon. C'est reparti. Hop. Hop. Voilà. Bon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet innombrable essai de ce niveau. Donc c'est encore une fois reparti pour tenter de réussir. Donc ce coup-ci, on va tenter encore autrement par rapport à ce que j'essaye de faire à chaque fois. Donc, on va commencer par construire ça ici. Voilà. Donc ça c'est bon, médecin, il faudrait que j'arrive à trouver. Alors, le chercheur potable, ça je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un... Ah, il n'y a pas de psy potable. Bon, c'est pas grave, on va prendre le junior psy parce que ça je vais en avoir besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va faire uniquement la réception en fait à ce niveau-ci. Donc est-ce que je peux réussir à centrer ça à peu près ici? Parfait. Voilà.
Donc, une réceptionniste. Une réceptionniste. Un diagnostic, on va construire un psy à cet endroit-ci aussi. Voilà. Donc avec un paravent là et une chaise de psy ici. Donc avec trois bancs, un distributeur. Donc on va prendre deux radiateurs pour commencer. On va faire des économies de chauffage pour le début. Hein. Un radiateur ici, un radiateur là. Voilà. Donc ici, on va construire les cliniques. Donc on va mettre une petite clinique de gonflage là. Hop. Et une petite clinique de fracture ici. Qu'une porte là. Et donc ça ici. Donc on va mettre un distributeur, quelques bancs et deux radiateurs. Radiateur, radiateur. Parfait. Donc on va faire maintenant un département de recherche ici qu'on complétera au fur et à mesure. On va prévoir de la place pour trois chercheurs. On complétera au fur et à mesure de ce qui va se passer. Est-ce que j'ai engagé un chercheur? Oui, j'ai engagé un chercheur. Donc le chercheur va commencer à chercher. Ah, j'ai juste un chercheur et un psy. Ok, donc il va me falloir un médecin général. Et donc là, on va ouvrir maintenant. Et la recherche, on va pas du tout de spécialisation, pas du tout d'amélioration. Un maximum de matériel de soins. Voilà, parce que si je tue 15 patients, je crève. Donc on va rechercher un maximum de ce qui est matériel de soins. On va lui mettre un junior avec. On va faire une salle de pause du personnel. Salle de pause du personnel ici. Donc pour le moment, on va mettre 3 sofas dans la salle de pause. Hein. Voilà. Et on va voir des toilettes aussi. On va mettre des toilettes là. Donc, toilettes, lavabo. Voilà. Combien coûte ce bâtiment? Non, je ne vais pas l'acheter tout de suite parce que ça va me coûter juste beaucoup trop cher. Voilà. Donc je n'ai aucun patient qui arrive pour le moment. C'est génial. Alors. La catarume, c'est vrai que si je n'engage personne, j'engage une infirmière et je fabrique une pharmacie. Oui. Vous voyez qu'en ce moment, je ne construis pas de salle des malades ni de d'OAR. C'est tout à fait normal et voulu pour, en fait. Deux radiateurs. Un ici, un là. C'est à partir du moment où je l'ai construit, il va prendre en compte, enfin, il va penser que j'ai le personnel forcément pour les exploiter. Il va envoyer les gens dedans. Donc du coup, ça va un peu me déranger sûrement assez vite. Donc matériel de soins. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme médecin qu'on peut s'acheter? Un chirurgien, ça va être bien ça. Un chercheur. Bon, par contre, il faudrait que j'arrive à trouver un consultant. Zut. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, du tout. Donc, on va construire un Thaïlande ici. Hop. Il me faut un agent de maintenance, effectivement. Donc un agent de maintenance utile. Et je vais construire ici aussi une salle de formation.
qui va être très grande parce que j'espère... Comme ça, ça va me permettre de former mes médecins beaucoup à la fois. Et ça, ça va être très pratique. Bon, par contre, il faudrait que j'ai un deuxième chien, mais il est... excès costal. Parce que oui, maintenant... Attendez, est-ce que je calcule bien mon truc? Oui. Je vais pouvoir faire une salle d'opération. Parce que j'ai deux chirurgiens. Hop, donc une petite salle d'opération ici. Bien sûr. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse une salle des malades. Est-ce que je vais pouvoir rentrer ça quelque part ici? Je vais mettre juste deux lits dans ma salle des malades. Donc, il me faut une infirmière de plus. Et il va me falloir des bancs. Voilà, donc ça, normalement, ça... Et je n'ai plus d'argent. Bon. J'ai plus un rond. Mais... Le problème, c'est que pour le moment, je n'ai... Si je ne me trompe pas, aucun moyen. Mon seul consultant, c'est un consultant qui n'a rien, c'est ça? C'est ça, donc il faudrait que je forme, que je l'utilise lui pour former lui. Alors, atteint de fou rire, oui. Et là, c'est le moment où je vais voir que mon psy, c'est lui. Et que je n'ai personne pour le généraliste. Donc lui, il en... Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah non, mais dites pas qu'il a déjà bugué, ça. Ouh, j'ai eu peur. Voilà, merci beaucoup, ça m'aide. Une infirmière est demandée à la pharmacie bon. De psychiatrie. Non, lui n'est pas toujours pas consultant, non. Hop. Lançons une invitation officielle. Renvoyez le patient. Renvoyez le patient. On ne va pas jouer avec ça. Bon, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter... Est-ce que ce bâtiment est beaucoup plus cher? Donc on va acheter ce bâtiment-ci pour faire des salles de diagnostic. On va poser une salle de diagnostic. Distributeur. Pas logique du tout la façon dont je l'ai placé aussi. Tiens, bon, c'est pas grave. On va faire un cardio-machine ici. Et là, je suis en galère de médecin. Voilà. Euh...
Ah, l'un de mes médecins est devenu consultant, très bien. Donc maintenant, on va... Donc toi, tu deviens enseignant ici. Toi, tu fais n'importe quoi ce que tu veux. Donc... Qu'est-ce que... Est-ce que toi, tu as une spécialité? Toi, tu es chir. Ok, donc si je transforme... Non, lui, il est... Et si lui, je le forme avec lui... Alors, je vais former lui avec lui, et en même temps, lui. C'est comme ça, lui va devenir consultant. Celui-ci va apprendre à celui-là la recherche. L'autre va devenir consultant et va lui apprendre le reste. Et comme ça, je vais avoir... Ouf, là, 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 là. Bon. Je crois juste que c'est un poil engorgé. Je pourrais avoir 2500. Je pourrais avoir 2500, ouais. Là, le problème, c'est que plus c'est engorgé, plus je risque justement d'avoir des morts et qu'ils soient imputés, si je ne me trompe pas, sur les morts que j'ai. Donc, attendez, des bancs. Voilà. Alors, ok. Est-ce que ça se dégorge? Ça dégorge pas. Ah! Bon. Ah!